un peu, n'hésitez pas à y aller cash en lui proposant une soirée, une partie de jambes en l'air comme elle n'en a jamais vécu. Donc là, on va apprendre quoi aujourd'hui? Alors là, on va apprendre à séduire une cougar. Et pourquoi on séduit une cougar, les amis? Vous savez tous pourquoi. Donc lui-même, il est en train de séduire une cougar, c'est-à-dire qu'il sort avec une cougar. Bah non, pour... il donne des conseils. Tu vois, on est là que pour apprendre. Oui, mais on est là pour apprendre. Mais lui, il s'y connaît. Peut-être il se connaît, c'est un professionnel. Art de séduire. Vu sa tête, ça se voit que c'est un grand séducteur. Céline, votre coach en séduction, et cette semaine, je réponds à la question de... C'est un coach en séduction. On en a tous besoin, les amis. Cette vidéo, mais bien sûr, art de séduction. Mike, go. Vous a demandé à l'approche de l'été. Ah, c'est Mike. À l'approche de l'été. C'est-à-dire, ça veut dire, tu dragues les cougars qu'en été. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cougar? Avez-vous déjà fréquenté un homme plus jeune? Oui. Oui, c'est oui. Vrai. Très bonne expérience. Ça dépend lequel. Ça dépend. Ah, il y en a eu plusieurs. Oui. Ah oui. Oui, j'aime pas les gens de mon âge. Vous aimez pas les. Non, je m'emmerde. Ah, vous vous ennuyez? Oui. Et plus jeune, quand vous dites plus jeune, vous faites référence à combien? Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans? Oui. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 57. 57 oui. Et vous avez 20, jusqu'à 25 oui, ans? Oui, oui. Mais je peux faire mieux, hein. Oh, vous savez, c'est un peu cette vieille femme qui se nourrit de jeunes hommes. C'est une femme comme les autres, sauf qu'elle assume complètement son appétit sexuel, sa frénésie sexuelle. Elle se nourrit des jeunes, attention, oh, fou les jeunes. Se nourrir. Ah, attention les jeunes. Elle assume cette sexualité et si elle drague des jeunes, c'est parce que ça lui fait plaisir. Il y a deux possibilités. C'est pas possible que ça existe. Soit elle a envie de se sentir valorisée, elle a envie de se sentir belle dans les yeux des jeunes hommes parce que. Sûrement, hommes... sûrement. Il y en a qui veulent vraiment toujours plaire, toujours paraître belle aux yeux des jeunes. Oh là là. Moi je dis ça. Moi je dis ça. Mais bon après. T'es d'accord avec ça ou pas truc, hein. Non mais je comprends qu'elle veut se durer encore, mais pourquoi des jeunes? Bah parce que les jeunes sont encore frais, ils ont la patate. Ça bon. Ça bon. Non je rigole. Les hommes un peu plus mûrs, les hommes un peu plus vieux ne la regardent plus. Soit elle est en train de consommer des hommes à l'appel et ben écoutez, vous avez des chances de lui plaire. Sur ce sujet, je vous recommande notamment American Gigolo avec Richard Gere et Alfie. C'est un très bon livre les amis, je l'ai lu en entier 3 fois, je vous le recommande aussi. C'est vrai ou pas? D'accord, ok. Je lis des livres maintenant. Soit le remake avec Jude Law. Alors, avec Jules. La drague, la femme cougar. Pas besoin d'aller au zoo, messieurs, vous la trouvez. Pas besoin d'aller au zoo. Oh, non, c'est dur ça. Wow. Je peux pas dire ça. C'est rabaissant. Déjà, coupe la vidéo, mec. Dis partout. Pas des choses comme ça. Attends. Au supermarché, à la bibliothèque, à la plage, dans les transports. Partout. Ce n'est pas un lieu. Il n'y a pas de lieu réservé aux cougars. C'est simplement. Si. Il n'y a pas de lieu. Le zoo. Non, je regarde. Ah, mais toi, c'est une manière de se faire remarquer. La cougar, elle est très visible, des décolletés. Oh, elle est visible, genre. Ses jambes en avant. Les meufs de plus de 30 ans ou 40 ans, mettez plus des décolletés, sinon on va vous mettre. Ah, on va dire que vous êtes des cougars. Dans la case des cougars. Case des cougars. Si t'as un décolleté, vous montrez vos jambes, vous mettez des décolletés, vous êtes dans la cougar, c'est pas moi qui l'a dit. C'est notre ami Silly, je sais pas comment il s'appelle. Parfois un bronzage un peu exagéré. Ça ressemble presque à une cagole, mais. Une cougar. C'est quoi, c'est une cagole? Une cagole, c'est quoi? Une cagole. Ah, que des femmes trop maquillées. Ah, c'est ça, une cagole. Mais peut-être pas, regarde ce qui est écrit. Elle, c'est une chanteuse. Qu'est-ce que t'en sais? Elle, là. Tu la connais? Ah, oui. On va continuer de vidéo. Que vous la remarquez. Une fois que vous l'avez remarqué, il faut aller l'aborder. On va l'aborder. Comment on va l'aborder? Imagine. Donc elle se laisse aborder. Donc ok, imagine, viens, on fait un jeu. Ok, imagine, moi je suis une cougar. Comment tu vas m'aborder? Je suis là. Bah non, je sais pas. Je vois pas comment je pourrais t'aborder en fait. Je suis là, je fume une cigarette. Mes cigarettes fines là. Tu connais ça? Oh, mademoiselle, est-ce que vous avez une cigarette s'il vous plaît? Attends, je vais voir. Et il me reste une. Ah, je veux bien, s'il vous plaît. Tiens, parce que vous êtes beau, hein. Vous avez un briquet? Un briquet? Tenez. Oh, ok. Vous le cachez là, Ah, tu savais, j'ai même à faire repasser à l'intérieur, j'ai tout. Ok, d'accord. T'as un number? Un number? Vas-y, hors de ma vue. T'es nul, Andrak. Si t'étais un mec, t'aurais pas de meuf. Bah, ouais, je m'en fous. Clairement, tu serais célibataire à vie. Prenez garde à l'âge.
L'âge, c'est un véritable problème. Elle peut avoir l'âge de votre mère. Jamais, au grand jamais, ne mentionnez votre maman dans cette histoire. Genre, oh, tu ressembles à ma mère. Tu me fais penser à ma mère. Je jure. Oh, tu sais que t'es comme ma mère. Oh, je me sens bien dans tes bras comme avec ma mère. Oh, je te jure. Elle ne se sentira absolument pas flattée. Pas votre maman, mais la cougar que vous êtes. La cougar, hein, bien sûr. Pas ta mère, parce que ta mère aussi, elle peut être une cougar aussi. Fais attention, surveille ta mère. Mettez en avant son expérience et pas son grand âge. Parlez d'expérience, parlez de classe, de volupté, parlez d'expérience. C'est quoi sa volupté? Le mec ne peut pas exister, c'est une parodie. C'est une blague, c'est vrai. Fait qu'elle est différente des filles de votre âge. N'hésitez surtout pas à taper sur les filles de votre âge qui manquent de classe, qui manquent de maturité, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Alors qu'elle, la cougar, c'est une vraie femme. Qui un vrai homme. Mais après, est-ce que les hommes. Hésite un peu, n'hésitez pas à y aller. Non, mais est-ce qu'après, c'est genre pour draguer ou après, c'est pour avoir une vraie relation? Ah, bah, je sais pas, il y en a qui aiment bien avoir une vraie relation, une vraie voiture, une vraie maison, une vraie compte en banque. Parce qu'une cougar, c'est de la moula. D'accord, donc c'est ça que tu penses, mais non. Bah bien sûr, il y en a pas, ils sont avec des cougars pour l'argent aussi. Non, parce qu'ils aiment les femmes âgées, ils aiment les femmes matures. L'argent aussi. Des fois, ils aiment pas les femmes jeunes, là. Je sais, ils sont perdus. Une fois, je sais pas si je me suis déjà fait draguer par une femme âgée. On s'en fout. Mais je pense pas. Next. Cash, en lui proposant... Attends. Veux-tu m'épouser? Écoute. Hésite un peu, n'hésitez pas à y aller cash, en lui proposant... Une soirée, une partie de jambes en l'air, comme elle n'en a jamais vécu. Jamais vécu, hein. Je vous propose sinon, il faudra jamais venir avec toi. Grave. Voilà, voilà, tu as été trompé. Une partie aux jambes, tu lui dis comment tu vas lui dire ça? Ouais, tu vas vivre un truc que t'as jamais connu. T'as jamais connu ta vie, un truc que je vais te faire monter en l'air. Tes jambes, je vais les faire comme non, ça. Non. Jamais. Eh, arrête là. Des trucs comme ça, du sale, ma mène. N'hésitez pas à la provoquer, alors... On mais si elle dit non, point, salut. La provoquer. Non, mais attends, elle te dit non. Je dis, ah mais non, tu sais pas ce que je dis, non. Teste, après tu dis, on peut en parler. Exactement. C'est un malade, genre, elle te dit non, mais non. Tu lui dirais, je vais te faire... Le mec qui doit écouter ses conseils, il doit se prendre des gifles. Mais laisse tomber. Imagine Kevin qui marche dans la rue. Elle s'habillait comme ça pour elle. Eh, le mec, il dit provoquer les femmes. Écoutez, les aimes. Les mecs, les aimes. Vous êtes la jeunesse, vous êtes la force de l'âge. Donc, allez-y, faites-lui peur. Proposez-lui ça. Soyez volontairement provocateur. Faites-lui peur. Bah oui, bah oui. En résumé, la cougar, une fois que vous l'avez trouvée, il faut surtout l'aborder et ne pas lui faire sentir que son âge est un problème. C'est au contraire une de ses grandes qualités. J'étais frais, je me dirais que t'as 16 ans. 20 ans. Je sais pas si ça passe. Je pense qu'elle va se sentir. Si tu lui dis, ouais. Hey, un truc stylé. Oh, tu fais pas ton âge. Ouais, mais déjà, faut te demander son âge. Bah, elle va te le dire au pire, tu vois. Les femmes, justement, de la quarantaine, elles disent pas leur âge. Oh, je t'imaginais plus vieille. T'as l'air trop jeune. T'es majeur? Elle a dit, oh non, mais arrête! Je suis flattée! Pour ça qu'elle vous attire, pour l'expérience qu'elle a eue. Pour les gros boobs! Tais-toi! Flatter sa féminité, ses boobs. Sa félinité, après tout, c'est une félinité. Et surtout, n'oubliez pas que séduire oh my God. Une femme de 20 ans ou de 40 ans, ça reste la même chose pour une femme de 40 ans qui veut avoir l'âge d'une femme de 20 ans. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésite pas à vous abonner, à liker, à partager vos amis. Comme ça il y aura d'autres vidéos comme ça. Je vous dis à très bientôt et ciao.